Welcome to Christian International Outreach Ministries, a house of prayer for all nations, where the love, the presence, and the power of God are real. Your life will be mightily blessed by the anointing of God flowing through the following message. Blessed be the name of the Lord. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. 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 Beloved, welcome into the house of the Lord. Bien-aimé, bienvenue dans la maison du Seigneur. And open your Bible with me this morning. Et ouvrez vos Bibles avec moi ce matin. This Sunday again, we're going to read in Joshua chapter number 24. Ce dimanche, nous allons encore une fois lire dans Josué au chapitre 24. And we begin in verse number 14 to 15. Josué chapitre 24 à partir du verset 14 à 15. It is the same scripture we read last Sunday. Ce sont les mêmes écritures que nous avons lues le dimanche dernier. Joshua 24. Josué chapitre 24. For the sake of time, as usual, we're going to read in French. Pour gagner du temps, nous lirons en français. But I want you to follow in your own language. Mais j'aimerais que vous puissiez suivre dans la langue dans laquelle vous êtes le plus confortable. Joshua 24, verse 15, 14 to 15. Josué chapitre 24, verset 14 à 15. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. 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 This morning, ce matin, I will be speaking about taking care of the gods of Egypt. Je vais parler sur le thème s'occuper des dieux d'Égypte. Taking care of the gods of Egypt. S'occuper des dieux d'Égypte. Here in this scripture, as we saw last Sunday. Ici dans ces versets, comme nous l'avons vu dimanche dernier. Joshua is at the end of his life. Josué est à la fin de sa vie. And he says, "You have to put away the gods that your fathers served beyond the river in Egypt." Verse number 14. Il dit dans le verset 14, vous devez faire disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte. Now, if you see verse number 15, et si vous prêtez attention au verset 15, he says this, il dit ceci, and if it is evil in your eyes to serve the Lord, et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choose this day, choisissez aujourd'hui whom you will serve, qui vous voulez servir. Now, note this. Notez ceci. He says, whether the God your father served in the region beyond the river. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve. That means the gods of Egypt. Ce qui veut dire les dieux d'Égypte. And then he adds this. Et il ajoute ceci. Or the gods of the Amorites in whose land you dwell. Ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Amen. Amen. So there are the gods of Egypt. Donc il y a les dieux d'Égypte. Also the gods of the Amorites where they dwell. Mais aussi les dieux des Amoréens dans le pays desquels ils habitaient. Beloved. Bien-aimés. We have seen last Sunday. Nous avons vu le dimanche dernier. That there is a spiritual transfer between the generation before us to us. Qu'il y a un transfert spirituel entre les générations qui étaient avant nous et notre génération. That made the children of Israel. Ce qui a fait que les enfants d'Israël, they were sitting in the land of promise. Ils étaient assis dans la terre promise. Serving the gods of Egypt. Cependant, ils servaient les dieux d'Égypte. That generation, as we saw last Sunday, cette génération, comme nous l'avons vu dimanche dernier, was born in the desert. Est née dans le désert. So they have never seen Egypt. Donc ils n'ont jamais vu l'Égypte. But they were serving the gods of Egypt in the promised land. Pourtant, ils servaient les dieux d'Égypte dans la terre promise. That created a dangerous situation. Cela a créé une situation dangereuse. Because not only they were under the bondage of the gods of Egypt in the promised land.
Non seulement ils étaient sous les liens des dieux d'Égypte dans la terre promise, but the fact of serving the other gods, mais le fait de servir aussi d'autres dieux, in the eyes of God, devant Dieu, was like idolatry. C'était comme de l'idolâtrie. That is something God will never accept. Et ça, c'est quelque chose que Dieu n'acceptera jamais. And it triggers God's anger against his children. Et cela a provoqué la colère de Dieu envers ses enfants. Beloved, bien-aimé, that situation, cette situation, imposed limitations in the grace and the blessings of God in the promised land. Apporte des limitations dans la grâce et des bénédictions pour les enfants d'Israël sur cette terre promise. That situation, cette situation, of being under other gods, ou être sous le règne d'autres dieux, produce bondages, produit des liens, that shortcuts the blessings of God into the promised land. Qui limite les bénédictions de Dieu dans la terre promise. Amen. Amen. But the danger is, mais le danger est, it opens a door, ceci ouvre la porte, to other gods, à d'autres dieux, in the land they were sitting, dans la terre où ils étaient, to also get into their lives. Ok, cela donne libre accès également à ces dieux-là d'entrer, d'autres dieux d'entrer, and impose their will on them, et imposer leur volonté sur les enfants d'Israël. Amen. Amen. That's why. Voilà pourquoi Joshua says here, Josué dit ici, you have to choose. Vous devez choisir. Because when I look at you, parce que lorsque je vous regarde, it's like, c'est comme si, in verse number 15 he says, au verset 15 il dit, if it is evil in your eyes to serve the Lord, si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel. I like it in French. J'aime la traduction en français. In French, Joshua said, en français, Josué dit, when I look at you, quand je te regarde, I see what you are doing, je vois ce que tu fais. It proves to me, et cela démontre que, in French, you say, vous ne trouvez pas bon, you don't find it good, de servir l'Éternel, to serve the Lord. You have a conviction in you, donc vous avez une conviction ferme en vous, that serving God, que servir Dieu, does not work, ça ne fonctionne pas. No, no, it doesn't pay, ça ne paye pas de servir Dieu. When you see the other gods, quand vous voyez les autres dieux, when you see what's happening, et vous voyez ce qui se passe, you are tempted, vous êtes tenté, to give yourself to other gods, de vous diriger vers ces, de vous donner à ces dieux là. It's like believers, Christians today. C'est comme les croyants de nos jours. Some people are more fearful of the devil than God. D'autres ont plus peur du diable que de Dieu. Because the power of God, parce que la puissance de Dieu, the love of God, l'amour, le pouvoir et l'amour de Dieu, the ability of God, les capacités de Dieu, to be present, pour être présent, and take care of his children, et s'occuper de ses enfants, it is a foreign thing. C'est quelque chose d'inconnu ou de lointain pour eux. It's something we only hear about. C'est quelque chose qu'on entend simplement. When realities of life hits, quand les réalités de la vie surviennent. And if Joshua could look at us, et si Josué pouvait nous regarder maintenant, he will say, you only talk. Il aurait dit que vous parlez seulement. What you say is different with your actions. Vos paroles sont différentes de vos actions. Your actions, vos actions, prouve que vous ne trouvez pas bon, that you don't find it good, de servir l'Éternel, to serve the Lord, because you don't live for him, parce que vous ne vivez pas pour lui, you don't fear him, vous n'avez pas sa crainte, you don't obey him, vous ne l'obéissez pas, it is not seen in your life, on ne voit pas ces choses là dans votre vie. Amen. Amen. Beloved, bien-aimé, why was that situation in the life of the children of God? Pourquoi cette situation était-elle dans la vie des enfants de l'Éternel d'Israël? You have the Almighty God. Vous avez le Dieu tout-puissant. The creator of heaven and earth. Le créateur du ciel et de la terre. Who is your father? Qui est votre père? To whom nothing is impossible. À qui rien n'est impossible. But you find it difficult. Et tu trouves quand même difficile. To trust him. De mettre ta confiance en lui. Depend on him. De dépendre de lui. Follow him. De le suivre. And give him completely your life. Et de lui donner complètement ta vie. Beloved, bien-aimé, something happened. Quelque chose s'est passé. In Egypt. En Égypte. Amen. Amen. Something happened. Quelque chose s'est passé. That produced doubt.
qui a produit le doute. Amen. Amen. Doubt. Le doute produces low self-esteem. Le doute produit le manque d'estime de soi. So when they look at themselves, donc lorsqu'ils se regardent, they don't think they're worth something. Ils ne pensent pas qu'ils ont de la valeur. They don't think anybody really cares. Ne pensent pas que les gens prennent attention à eux. There is even a God who really cares and can do something. Ou qu'il y a un Dieu même qui prend soin d'eux et qui voudrait même les aider. They don't have that belief in them. Ils n'ont plus cette croyance en eux. And you don't see it in their lives. Et vous allez le voir dans leurs actions. Something happened. Quelque chose s'est passé. Amen. Amen. That's why. Voilà pourquoi. They had. Ils avaient. To take care. Ils devaient donc s'occuper, prendre soin. Of that thing that happened to their parents. De cette chose qui s'est passée avec leurs parents. And that was transferred to them. Et qui leur a été transféré. Became a part of their life. Qui est devenu une partie de leur vie. And ruined them. Et qui les a ruinés. Amen. Amen. Something happened. Quelque chose s'est passé. In Egypt. En Égypte. We saw it last time. Nous l'avons vu la dernière fois. In Egypt. En Égypte. Their fathers. Leurs pères. Were in a situation of abuse. Étaient sous une situation d'abus. By Pharaoh. Par le pharaon. Amen. Amen. Pharaoh. Le pharaon. Decided to put them under bondage. Décida de les mettre sous les liens. Because he was afraid. Parce qu'il avait peur. Of the blessing of God in their lives. De la bénédiction de Dieu sur la vie des Israélites. He said this. Il a dit ceci. These people. Ces gens. Is blessed. Sont bénis. Is growing. Ils sont en train de grandir. They're gonna end up being stronger than us in our own land. Ah no no no, I will not allow that. Ils sont bénis par Dieu, ils sont en train de se multiplier et s'ils continuent ainsi, ils finiront par être plus forts que nous dans notre propre pays. No, I will not allow that. Non, je ne permettrai pas cela. I'm going to remove the dependence of these people to that God. Je vais m'assurer qu'ils ne dépendent plus de ce Dieu-là. And make of them et les rendre my servant. Et faire de mes servants, mes serviteurs. They have to bow to me. Ils vont devoir s'agenouiller, se prosterner devant moi. And serve me. Et me servir. I will remove. Je vais enlever. Everything. Tout. They trust in. Tout ce en quoi ils croient. They depend on. En quoi ils ont confiance. In the relationship between them and God. Dans leur relation entre eux et leur Dieu. Amen. Amen. Beloved. Bien-aimé. Abuses. L'abus. Failure in the past. L'échec dans le passé. Trouble and struggles in the past. Des troubles et des difficultés dans le passé. In our own life, dans nos propres vies. Or in the life of our parents, ou dans la vie de nos parents. Sometimes the generation before, ou encore la génération avant. Create situations, crée des situations in the spiritual realm, dans le monde spirituel. They get into people's life, elles prennent autorité dans la vie des gens. They become a way of life, elles deviennent un style de vie. And it is transferred to the children. Et cela est transféré aux enfants. And to the following generation. Et à la prochaine génération. Amen. Amen. That's why. Voilà pourquoi. We have to be very careful. Nous devons être vigilants. You have to check your life. Vous devez examiner votre vie. Today. Aujourd'hui. Like Joshua did. Comme Josué le fit. He said, "I'm looking at you." Il dit, je vous regarde. You are sitting at the promised land. Vous êtes assis sur la terre promise. You know how to sing praises. Vous savez comment chanter les louanges. You know all the law. You have them in your head. Vous avez toutes les lois. Vous les avez mémorisées. But you don't have them in your heart. Mais vous ne les avez pas dans votre cœur. Real love for God is not there. L'amour véritable pour Dieu n'y est pas. What you produce. Ce que vous produisez. Is showing me. C'est de me montrer à moi. That the deep conviction in you. Que la conviction profonde en vous. Is that no, ce n'est pas bon. That it's not good. Amen. 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 Beloved, you have to check your life. Bien-aimé, il nous faut examiner nos vies. Honestly. Honnêtement, examine ta vie. Today. Aujourd'hui. And decide. Et décide. Like Joshua. Comme Josué le fit. There are decisions you have to take. Il y a des décisions que tu dois prendre. And a commitment for you. Et tu dois t'engager. And your family. Et également ta famille. Amen. 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 Last Sunday we saw. Dimanche précédent nous avons vu. The example of fear. L'exemple de la peur.
You know, when they were in bondage, vous savez que lorsqu'ils étaient sous les liens, bondages, les liens, servitude, la servitude, will impose fear on you, va imposer la peur sur vous. They learned to fear Pharaoh. Ils ont appris à avoir peur, la crainte de Pharaon. Because Pharaoh put taskmasters in charge. Parce que Pharaon a mis des maîtres pour les assujettir. To make their life miserable. Pour rendre leur vie misérable. So they learn. Donc ils apprirent. To fear. À avoir peur. Pharaoh. À avoir peur de Pharaon. And his establishment. Et de tous ses sujets. Because of that, à cause de cela, they were disconnected. Ils étaient déconnectés. With the reality, avec la réalité, of a loving God, d'un Dieu qui est amour, and of an all-powerful God, et d'un Dieu qui est tout puissant. They were completely disconnected. Ils étaient complètement déconnectés de ces because deux choses. Because of the time of suffering, à cause du temps de souffrance. You know you can suffer one day. Vous savez, vous pouvez souffrir un jour. But if something is not living, is still there, and you suffer, you're gonna wonder, is really God caring or not? Mais quand cette chose continue et perdure, et vous finirez par vous poser la question, est-ce que Dieu est là ou pas? People have prayed. Les gens ont prié. They have fasted. Ils ont jeûné. You are still suffering. Et toi, tu continues toujours de souffrir. You're gonna question God. Tu vas questionner Dieu. Amen. Amen. Because of the length of suffering, à cause de la durée de la souffrance, and trouble, et des troubles, and abuses, et de l'abus, they have learned, ils ont appris, to fear Pharaoh, avoir la crainte de Pharaon, and when they looked at themselves, et lorsqu'ils se regardent eux-mêmes, they saw, ils voyaient, their life as a failure, comme leur vie comme un échec. Amen. Amen. When they looked at God, et lorsqu'ils regardaient Dieu, they were disconnected. Ils étaient disconnectés de ce with Dieu. The reality, avec les réalités, of a loving God, d'un Dieu qui est amour, of an all powerful God, d'un Dieu qui est tout puissant, that is present in your daily life, qui est présent dans ta vie de tous les jours, and who can take care of you, et qui peut s'occuper de toi. They were far away from that. Ils étaient loin de cela. That's why. Voilà pourquoi. Even though they cried. Même qu'ils pleuraient, they knew who they were. Ils savaient où ils étaient. They were crying. Ils pleuraient. You know what God said when he sent Moses? Vous savez ce que Dieu dit lorsqu'il envoya he Moïse? Said, I have heard the cry of my children. Il dit, j'ai entendu les cris de mes enfants. So they prayed, they cried to a God. Donc ils ont pleuré à un Dieu. That they were disconnected with their heart. À qui pourtant ils étaient disconnectés. Leur cœur n'était pas connecté à ce they Dieu-là. They only knew we came from somewhere, we have a God. All that was head knowledge. Ils avaient simplement la connaissance. Nous avons un Dieu, mais nous ne sommes pas connectés au niveau du cœur avec lui. When they cried, lorsqu'ils pleurent, it was just formality. Lorsqu'ils pleuraient, c'était juste par formalité. Because when you suffer, parce que lorsque tu souffres, you don't choose to cry. Tu ne choisis pas de pleurer. Suffering, la souffrance, will make you cry. Te pousse à pleurer. And if you have nobody, et si tu n'as personne, you will cry to God. Tu vas pleurer à Dieu. Amen. Amen. When God sent Moses, sent Moses, quand Dieu envoya Moïse, go. Il dit pars. He said, I have heard, j'ai entendu, the cry of my children. Les cris de mes enfants. I have come, je suis venu, to deliver them. Pour les délivrer. You know what Moses said? Vous savez ce que no, Moïse dit? I'm not going. Il a dit non, non, je pars pas. God said, go. Dieu dit pars. Moses said no. Il a dit non. Number one, Moses had his own issues. Premièrement, Moïse avait ses propres problèmes. He was afraid too. Il avait peur également. But number two, et deuxièmement, Moses knew them. Moïse connaissait ce peuple. He was one of them. Il faisait partie d'eux. This is what he told God. Voilà ce qu'il dit à Dieu. He said, if I go them, if I go back there, si je retourne là-bas, those guys, ces gens-là, they will ask me, ils me demanderont, who is that God? Qui est ce Dieu? What is his name? Quel est son nom? Who is sending you? Et qui t'envoie? He knew them. Il les connaissait. He talked
thought like them. Il se pensait comme eux. He reacted like them. Il pensait comme eux. Il agissait comme eux. Because he was one of them. Parce qu'il faisait partie d'eux. Even though he was in the palace. Bien qu'il était dans le palais. He knew who he was. Il savait qui il était. And when he saw his people suffer. Et quand il vit son peuple souffrir. Doubt was in his heart too. Le doute aussi était dans son cœur. What mommy said is really true. Ce que maman avait dit est vraiment vrai. We really have a God. Nous avons un vrai Dieu. How come that God is doing nothing? Comment se fait-il alors qu'il ne fait rien pour nous? We have a God. Nous avons un Dieu. We don't know his name. On ne connaît pas son nom. He's far away from us. Il est loin de nous. Amen. Amen. He said, they will ask me. Ils me demanderont. Who is that God? Qui est ce Dieu? What is his name? Quel est son nom? In other words, en d'autres termes, we only hear about him. On entend simplement parler de lui. We do not know him. On ne le connaît pas. Beloved, bien-aimé, I wonder, je me demande, if you only hear about si God. Vous et moi ici, we only hear about on entend simplement de la part de Dieu. Do we really know him? Est-ce qu'on le connaît véritablement? Do we really have the experience? Est-ce qu'on a une expérience véritable avec ce Dieu? Of a loving God. D'un Dieu qui est amour. Of a whole powerful God. Un Dieu qui est tout puissant. Who is in every situation of our life? Qui est dans toutes les situations de notre vie. Do we really are like that? Est-ce que nous sommes vraiment comme cela? Amen. Amen. Because of problems. À cause des problèmes. And troubles. Et des troubles. Maybe your parents went through. Que tes parents ont peut-être traversé. Or your family. Ou ta famille. You have inherited. Et tu as hérité. Doubt. Le doute. And you don't know it. Et tu ne le sais pas. Have you ever asked yourself? T'es-tu déjà posé cette question? Why is it that you have hard time really believing and trusting God? Why? Pourquoi est-il difficile pour toi de croire et d'avoir confiance en Dieu? Something happened. Quelque chose est arrivé. And brought doubt. Et cette chose l'a apporté le doute. Doubt. Le doute. Will also remove. Va également enlever. Because first thing doubt does. La première des choses que le doute fait. Is to remove your confidence in God. C'est d'enlever ta confiance en Dieu. Your trust in God. Ta confiance en Dieu. Now since you have received your life from God. Parce que nous avons reçu notre vie de la part de Dieu. God has gifted you. Dieu nous a fait des dons. You are not just a nobody. No, 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 no. Tu n'es pas n'importe qui. You are very, very valuable. Tu as de la valeur. Tu es très important à ses yeux. Doubt. Le doute. Will enter into you. Va te pénétrer. And also remove. Et va enlever. Your confidence in who you are. Le doute va également enlever la confiance en qui vous êtes. Your calling. Ton appel. What you are capable of doing because of God. Ce que tu es capable de faire à cause de Dieu. It will remove that. Le doute va enlever cette chose. It will create. Le doute va créer a deep void. Un vide très profond. That void. Et ce vide is the basis. C'est la base of low self-esteem. Du manque d'estime de soi. Since you cannot trust God. Puisque tu ne peux pas avoir confiance en Dieu. You're not sure of yourself either. Tu n'es pas sûr de ta personne. You can never stand and be confident of what you can do. Tu ne peux pas te tenir ferme et avoir confiance en ce que tu es capable de faire. That opened the door wide to fear. Cela ouvre la porte grande ouverte à la peur. Because of fear. Parce qu'à cause de la peur, you'll be looking at other people. Tu vas regarder à d'autres personnes. And trying to depend on people. Et essayer de dépendre des gens. Or appearances. Ou de leur apparence. Because you're not sure of yourself. Parce que tu n'es pas sûr de toi. Low self-esteem. Le manque d'estime de soi. Will make you go. Va te faire aller. And compromise with people. Et te retrouver avec dans des compromis. And situations you should never be in. Et te mettre dans des situations dans lesquelles tu ne devrais même pas te trouver. Something happened. Quelque chose arriva. In Egypt. En Égypte. Because of fear. À cause de la peur. Because of the power and the reign of Pharaoh. Et à cause de la puissance de l'oppression de Pharaon. Amen. Amen. Beloved. Bien-aimé. It is spiritual. C'est spirituel. Because the Bible says this. Parce que la Bible dit ceci. God. Dieu. Did not give us a spirit of fear. Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. Amen. Amen. When you see fear. Lorsque vous voyez la peur. Work. Agir. Succeed.
avoir le succès, produce results, et produire des résultats. It is a spiritual activity. C'est un esprit. Amen. 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 Fear. La peur. Has produced doubt. A produit le doute. Low self-esteem. Le manque d'estime de soi. And bandages. Et les liens. These are the things that were transferred. Voici ces choses-là qui ont été transférées. So they had a hard time really trusting God. Donc ils avaient c'était difficile pour eux d'avoir confiance en Dieu. Believing God. De mettre leur confiance en Dieu. Regardless of every single thing they have seen. Et cela peu importe toutes les bonnes choses que Dieu avait fait pour eux. Amen. Amen. They had to go back to the root. Ils devaient retourner à la source. To the cause. À la cause. Of the situation. De ce problème. Amen. 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 Beloved. Bien-aimé. Before we see a few steps we have to take. Avant de voir quelles sont les étapes que nous devons prendre. Today. Aujourd'hui. And ask the help of God. Et demander l'aide de Dieu. I was wondering. Je me demandais. If you see the children of Israel. Si vous voyez les enfants d'Israël. Before Egypt. Avant qu'ils entrent en Égypte. And after Egypt. Et après qu'ils aient soient en Égypte. Vous allez voir. The result. Le résultat. Of the reign of Pharaoh. Du règne de Pharaon. In their lives. Dans leur vie. There is one key lesson. Il y a une leçon clé. Abraham learned. Abraham a appris. You know, God is the one who called Abraham. Vous savez, c'est Dieu qui a appelé Abraham. He said, "Leave your country." Il a dit, quitte ton pays. I'm going to make a nation out of you. Et je ferai une nation de toi. I'll bring you to a promised land. Et je t'emmènerai à la terre promise. He left. Il a quitté. Now he left with Lot. Il partit avec Lot. And midway, et en chemin, they part ways. À moitié chemin, ils se sont séparés. After they part ways, après qu'ils se séparèrent, the Bible says, la Bible dit, God told Abraham, Dieu dit à Abraham, lift up your eyes, lève les yeux, and look north, south, east, and west. Regarde au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. I have given you this land. Je t'ai donné ce pays. Amen. Amen. After that, après cela, the Bible says, la Bible dit, Abraham went to explore the land. Abraham partit explorer la terre. To see the length of it. Pour voir la longueur de cette the terre. The breadth of it. La profondeur. Everything in the land. Tout ce qui se trouvait dans cette he terre. He went to explore and know where the cities are where he can build this one. He went to explore. Il est allé explorer où il pouvait construire toutes les villes. Il a pris son temps et l'explorer. And he really saw. Et il a vraiment vu. That this is exactly as God said. Ceci était exactement comme Dieu l'avait dit. There is one key thing he did. Il y a une chose clé que Abraham fit. To be established in the land. Pour être établi dans cette terre. To settle in the land. Pour pouvoir vraiment être assis dans cette terre. The Bible says. La Bible dit. Every male. Tout mâle. That was born in his house. Qui est né dans sa maison. Abraham inquired of the Lord. Demanda à Dieu. Who is this? Qui est celui-ci? What is calling? Quel est son appel? What is his gift? Quels sont ses dons? And Abraham. Et Abraham invested. A investi. In developing each gift and each calling in each person. Il a investi dans le développement des dons de chacune de ces personnes. Amongst things Abraham did, parmi les choses qu'Abraham fit, he raised an army. Il a créé une armée. Amen. Amen. Check your Bible. Vérifiez votre Bible. That's why. Voilà pourquoi. When Lot was in trouble, lorsque Lot se trouva dans des problèmes, Abraham sent his army to go to the rescue. Abraham envoya son armée pour aller secourir Lot. Every male who was gifted by God to be a warrior. Tout homme qui avait reçu le don d'être un soldat. Abraham never allowed them to sell shoes. Abraham ne les a pas laissés devenir des cordonniers. Or to des sing. Marchands de chaussures. No, they put them. You go to. We have to have an army. Il les a fait s'inscrire à l'armée. That's why. Voilà pourquoi. No king around him.
aucun roi autour de lui dans les environs attacked Abraham. N'osa attaquer Abraham. Amen. Amen. Now, maintenant, the people God raised out of Abraham. Les gens qui ont grandi sous Abraham. They had an army. Ils avaient une armée. They had midwives. Ils avaient des sages-femmes. Because when someone is pregnant, they want to give birth, someone has to know what to do. Donc, quand quelqu'un attendait un enfant, il fallait que quelqu'un puisse savoir quoi faire avec cette connaissance. Ils avaient des sages-femmes. They had all the gifts of people in that makes a nation function. They had that. Ils avaient tous les dons nécessaires pour qu'une nation puisse fonctionner correctement. When they got into Egypt, lorsqu'ils arrivèrent en Égypte, they went there with all that riches and blessings and giftings with them. Ils se rendirent donc en Égypte avec toutes ces bénédictions, ces dons, ces richesses. In Egypt, en Égypte, because of the reign of Pharaoh, à cause du règne de Pharaon, Pharaoh, le Pharaon, stripped them of all of that. A retiré toutes ces bénédictions d'eux. In Egypt, en Égypte, everyone, eux tous, had one job, avaient un seul emploi, make bricks. And build. Faire des briques et construire. Period. C'était tout. No matter what gifts you have, you're gonna make bricks. Peu importe les dons, les talents que tu avais, tu devais construire, faire des briques et construire. Make bricks. Faire des briques. And build. Et construire. After years. Après des années. They had no soldier. Ils n'avaient plus de soldats. No doctor. Plus de docteurs. No teachers. Plus d'enseignants. No, nobody. Plus personne. They have lost. Ils avaient tout perdu. All the usage and the gift of who they were as a nation. Ils avaient perdu toute leur connaissance et leur identité en tant que nation. That's why. Voilà pourquoi. When God decided to take them out. Quand Dieu décida de les sortir de there were just a bunch of people walking. C'était juste un groupe de personnes qui marchaient. At the first sign of the army of Pharaoh. Dès qu'ils entendirent au premier signe de l'armée de Pharaoh. All of them. Tous. Feared and trembled and cried. La peur s'empara d'eux. Including people who had in them. Y compris ceux qui avaient en eux. Buried in them the gift to be a fighter and a soldier. Y compris ceux qui avaient enfoui dans leur cœur le don de combattre, être soldat. Trouble. Les troubles. Bandage. Les liens. Will do that to you. Feront cela. It will destroy. Les liens vont détruire. It will inhibit the development of the gift of God in you. Ils vont empêcher le développement des dons que Dieu a mis en vous. Bondage. Les liens will teach you. Vont vous enseigner. And will tell you. Et vous diront. You are nothing. Que vous n'êtes rien. You are nobody. Vous n'êtes personne. Bondage. Les liens will teach you. Vous enseigneront. To turn your eyes. De tourner vos yeux. And try to depend on anybody et who seems to appear to be stronger. Qui apparaît d'être plus fort que vous. Bondage. Les liens will blind your eyes. Vont vous aveugler. To the gift of God, au don que Dieu, and riches of God, et au don de Dieu, aux richesses de Dieu, in you, vont vous aveugler. Vous ne verrez pas les dons et les richesses que Dieu a placées en vous. In you, en vous, in you, en vous. These are the results. Ceci sont les résultats. We see que nous voyons in a people dans un peuple that was not in Egypt. Qui n'étaient plus en Égypte. But they had that transferred into them. Mais ceci a été transféré en eux. Because of that void. À cause de ce vide. Because of doubt. À cause du doute. Because of low self-esteem. À cause du manque d'estime de soi. Their parents in Egypt. Les parents, leurs parents en Égypte. They learn. Ont appris. To look up to Egypt's gods of Egypt. À regarder les dieux d'Égypte. The same way they learn to look up to Pharaoh, de la même manière qu'ils regardaient Pharaon, as an authority, comme une autorité. They learn, ils ont appris, to look up to the gods of Egypt, à regarder les dieux d'Égypte, and bow to them, et de s'agenouiller devant ces dieux-là. And it always opened a door, et cela a donné libre accès, when you bow quand vous to the world of darkness,
quand vous vous prosternez devant le trône des ténèbres, cela ouvre la porte to the entire world of darkness. Et donne libre accès au royaume total des ténèbres. That's why God told them. Voilà pourquoi Dieu les appela. Remember, rappelez-vous, when he took them out of Egypt, quand il est sorti d'Égypte, he told them this. Il leur dit ceci. Do not worship the gods of the land where I will send you. Do not worship them. N'adorez pas les dieux du pays où je vous envoie. Because when they were leaving Egypt, parce que lorsqu'ils quittèrent Égypte, they were leaving with a deep void. Ils sortirent d'Égypte avec un vide profond. They were leaving with a deep low self-esteem. Avec une mauvaise une estime de soi si basse. They were living with wounds. Avec des blessures. Of years of servitude. Des blessures qui ont été impliquées à cause des années de servitude. Of abuse. D'abus. Of trouble. De troubles. Of blindness. D'aveuglement. That is a danger. Ceci est un danger. After leaving Egypt. Après avoir quitté l'Égypte. To go and give yourself to other gods because et se you donner, don't trust God. D'aller se donner à d'autres dieux parce que vous n'avez pas confiance en vrai Dieu. The reality of a loving God. La réalité d'un Dieu qui est amour. Of all powerful God. Qui est tout puissant. Who can take your life and change it? Qui peut prendre ta vie et la changer? Was far away from them. C'était loin d'eux. Cette réalité était très loin d'eux. That void ce vide was a danger. Était un danger. God saw it. Et Dieu vit cela. And he told them, et il leur dit, do not worship the gods of the nations where I'm going to send you. N'adorez pas les dieux dans la nation que je vous envoie, où je vous envoie. I will chase those nations away. Je vais chasser cette nation de parmi vous. You be careful. Soyez vigilants. Because let me tell you this. Laissez-moi vous dire ceci. In the spiritual realm, dans le monde spirituel, regions, il y a des régions, areas, des endroits, are governed by specific spirits and demons. Ces endroits-là, des régions spécifiques sont gouvernés par des démons. You can empty the area of people, human beings. Vous pouvez vider cet endroit d'êtres humains. By a war. By a war, à travers par une guerre, vous pouvez famine, vider la guerre, or by la famine, any problem, ou partout n'importe quel problème, vous pouvez vider cette ville, ce pays de ses habitants. But you cannot empty the regions with the spiritual realm of authority staying there. Mais vous ne pouvez pas chasser ni vider cette contrée des autorités spirituelles qui sont à cet endroit. Amen. Amen. That's why. Voilà pourquoi God said, Dieu dit, do not worship those gods. N'adorez pas ces dieux. They will be there. Ils seront là. When you get there. Quand vous arriverez là-bas. After I have chased the people. Après que j'ai chassé le peuple. You have to learn. Vous devez apprendre. To love me. À m'aimer. To trust me. À me faire confiance. To depend on me. Et à dépendre de and moi. And develop what I have given you. Et développer ce que je vous ai donné. What is in you? Qu'est-ce qui est en toi? If it is developed, si cette chose est développée, will put you. Cela vous permettra in a situation d'être dans une situation where you will take authority où vous pourrez prendre autorité over all those gods. Sur tous ces autres dieux. Amen. Amen. You will not serve them. Vous n'allez pas les servir. You will impose vous allez imposer my reign, mon règne, my rule, mes lois in those areas, those nations. Dans ces endroits, dans ces nations. Amen. 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 Beloved. Bien-aimé. Today, aujourd'hui, I want you to check your life. Je voudrais que tu examines ta vie. And ask God. Et que tu demandes à Dieu. Number one. Premièrement. Show me. Montre-moi. Show me. Montre-moi. Why really is it hard for me to trust you completely? Pourquoi m'est-il difficile de mettre ma confiance totale en toi? Why is it my life not proving that it is good
to trust your need for you? Pourquoi ma vie ne démontre pas qu'il est bon de te faire confiance, de te servir? The Bible says, la Bible dit, if we seek God, si nous cherchons Dieu with all our heart, de tout notre cœur, He will reveal to us, il nous révélera hidden things, les choses cachées, we don't know, que nous ne connaissons pas. There are some people here, il y a des gens parmi ici, if you do this prayer sincerely, si vous faites cette prière sincèrement, this week, cette semaine, by the end of this month, à la fin de, d'ici la fin de ce mois, there are things that happen in your family you never knew. God will allow you to discover them so that you know what transferred to you. Il y a des choses qui se sont passées dans ta famille que pour l'instant tu ne connais pas, mais à travers cette prière, Dieu va te révéler ces choses. You may be shocked. Tu seras peut-être choqué by what you discover. Par ce que tu vas découvrir. Do not judge your parents. Ne juge pas tes parents. Do not judge your grandparents. Ne juge pas tes grands-parents. You don't know what circumstances they were in. Vous ne savez pas les circonstances dans lesquelles ils étaient. Just ask God. Demandez seulement à Dieu. To show you. De vous montrer. What transferred to you? Qu'est-ce qui a été transféré en toi? What is blocking you today? Ce qui te bloque aujourd'hui. What is destroying you today? Ce qui te détruit aujourd'hui. Some people. Certaines personnes. You know. Vous connaissez. Your grandma or her mom was a big witch doctor. You know, it's known in the family. Votre grand-mère ou votre arrière-grand-mère était une sorcière. C'est connu dans la famille. You pray today. Tu pries aujourd'hui. But they gave you her name. But they gave you bear her name. Ils t'ont donné son nom. You don't know. Tu ne sais pas. When they gave you that name, you were a baby. Lorsqu'ils te donnaient ce nom, tu étais un enfant. What they did, you don't know. Tu ne sais pas quelle partie qui a été faite. Something is following you. Quelque chose te suit. Amen. Amen. Number two. Deuxièmement. Ask God. Demande à Dieu. To give you the courage. De te donner le courage. And decide. Et décide. I am renouncing, que tu vas renoncer, and I am voiding today, et je vais effacer aujourd'hui, all allegiance, toute allégeance, made que by je, my parents or my grandparents, and that are following me, I'm voiding them today. This is my life, I will not live their lives. Toute allégeance que mes parents ont fait, peu importe ces allégeances, je décide de les renier, de les rejeter. Number three. Troisièmement. Ask God. Demande à Dieu. To show you. De te révéler. What is in you. Qu'est-ce qui est en toi. Amen. 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 You are very valuable. Tu as beaucoup de valeur. You didn't come here just to waste time and watch other people. No, no, no. There are riches in you. Tu n'es pas sur cette terre pour perdre le temps ou observer les autres. Il y a des richesses en toi. Don't say, in our family, we don't go to school. In our family, no, 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 no. That's your family. In my life, what God has given me, I will pursue. And it has to be done. Ne dites pas que dans notre lignée, les gens ne se rendent pas à l'école. Dis-toi, non. Moi, j'ai un Dieu et moi, je pourrais aller à l'école. Don't say, if you come from this part of Africa, you come here, we can do only this job. Non, non, non. Ne dis pas, si tu viens de l'Afrique et que tu viens dans ce pays, que tu ne peux faire que certains jobs, que ceci ou cela. You know it's a reality here. Vous savez que c'est une réalité ici. If you see some jobs, you see only some kind of... No, 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 not me. Vous savez que c'est une réalité. Il y a certaines personnes, on remarque que dans certains emplois, c'est simplement des personnes originaires de tel pays qui le font. I have been gifted by God. Mais quant à cela, quand on arrive à vous, dites-vous que moi j'ai été béni par Dieu. What God has put in me. J'ai des talents que Dieu a mis en moi. He has to open doors. Il va ouvrir ses portes. Even if I be the first one même to start that, I will. Peut-être que je serai, même si je dois être la première personne à commencer dans cet emploi-là. Amen. Amen. Ask God. Demande à Dieu. To remove that fear. D'enlever cette peur. Remove those boundaries. D'enlever ces limites. To remove those limitations. D'enlever ces bornes, ces limites. Know you have a life. Sache que tu as une vie. You have a calling. Que tu as un appel. You have gifts. Que tu as des dons. That need to be nurtured. Qui ont besoin d'être de grandir. And develop. De se développer, like être nourri. Abraham did. Comme Abraham le fit. Amen. Amen.
Last thing. Dernièrement. Ask God. Demande à Dieu. To establish new practices. D'établir des nouvelles pratiques. Amen. Amen. That will honor God. Qui vont honorer Dieu. Joshua said. Josué a dit. As for me. Quant à moi. And my house. Et ma maison. We will serve the Lord. Nous allons servir Dieu. Amen. Amen. That means fear. Bye bye. Ce qui signifie la peur. Au revoir. Low self-esteem. Bye bye. Le manque d'estime le soir. Au revoir. Doubt. You have to go. Le doute. Tu dois partir. And you remember, et il se souvient, God said, meditate the word every day. Okay, I will meditate the word. C'est venu que Dieu lui a dit de méditer la parole chaque jour. Not only me. Pas seulement moi. My children, we have a schedule. Mes enfants et moi, nous avons un programme. If you are born in this house, si tu es né dans cette maison, you pray at 5. Tu pries à 5 heures. That's the law. Ça, c'est la loi. If you are born in this house, si tu es né dans cette maison, you go to church on Sunday. Tu vas à l'église le dimanche. If you are born in this house, si tu es né dans cette maison, this is how we honor God. C'est ainsi que nous honorons Dieu. The other stuff are not allowed. Les autres choses ne sont pas permises. Because we serve the Lord. Parce que nous, nous servons Dieu. Ask God. Demande à Dieu. To establish. D'établir. New practices. De nouvelles pratiques. That will be the practices of your life. Qui seront les pratiques dans votre vie. And your family. Et dans votre famille. To carry a legacy. Et ce sera alors l'héritage de votre of famille. Of people who walk with God. Vous serez alors une famille qui est connue pour celle qui a servi Dieu et qui marche avec Dieu. Who serve God. Qui ont servi Dieu. Let's bow our heads and pray. Est-ce qu'on peut incliner nos têtes? Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you for listening. If you're visiting or live in the Washington, D.C. area, come worship with us. Thursdays at 7 p.m., Sundays 11:15 a.m. at the Walter Reed Community Center, 2909 South 16th Street, Arlington, Virginia, 22204. For prayer requests or a copy of this message, call 1-888-446-6522. That's 1-888-446-6522. Or email us at cioministries@gmail.com. Christian International Outreach Ministries, the place to be.